Bonsoir messieurs. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, bienvenue sur ce plateau. Ce soir, vous venez nous parler du film Dépression et des potes. Eh oui. Alors première question dans la vie, est-ce que vous êtes potes? Bien sûr, nous sommes même amis d'enfance. Ah, racontez-nous. Amis de bac à sable. D'accord. On s'est connus dans un square. Voilà, je... Un homme en un père nous a montré quelque chose et tous les deux, on a pris goût à cette chose. Et on s'est dit, tiens, nous avons le même goût, la même passion, pourquoi ne pas faire un bout de chemin ensemble jusqu'au toboggan? Voilà. Toboggan, manège, etc. Évidemment, et nous sommes devenus les amis que vous connaissez. C'est une émission qui marche avec des signes. Je voudrais juste avoir quelques explications sur ce gimmick que vous venez de créer, que j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est la fête. D'accord. Regarde, tu fais ça. Et celui-là, c'est... C'est juste quand on est pas content, mais en même temps, on veut, voilà, on taquine, gentil, on taquine. Voilà. C'est un truc, c'est félin comme geste, tu vois. Vous avez l'air heureux comme ça, mais est-ce que vous cachez une profonde dépression? Oui. Dites-le, vous savez quoi? On peut se parler ce soir. On a tous une faille. Ouvrez votre cœur. On peut tout ouvrir même ce soir. Non, juste votre cœur, ça fera l'affaire. Mais non, mais on a tous une fragilité. Bien sûr. On a tous quelque chose en nous, le Tennessee. La fête. Vous savez, un truc que j'aime faire encore plus que la fête, c'est regarder la bande-annonce de votre film qui sort le 2 mai dans les salles. C'est parti. Mais c'est quoi ton problème? On s'est pris la tête tout le temps! Vous avez tous les symptômes de la dépression. Vie sentimentale instable, agressivité. Fais-toi prescrire des calmants. Et toi, tu ouvres le dictionnaire et tu cherches le mot coiffeur. Attends, c'est super grave la dépression. Un mec en dépression, on peut pas le laisser tout seul. S'il fait une connerie, on s'en voudra toute notre vie. Fuck no! Putain, t'es con, tu m'as fait peur. Descends de là. La persienne est bloquée. Essayez le yoga. J'apprends le portugais. Quiero pegar a omnibus. Non, non. C'est pas un geste de yoga, c'est vraiment pour que vous taisiez. Merci. Et toi alors, c'est sérieux, hein? Complètement in love, quoi. Ouais, complètement in love, comme on disait en 1989, à peu près. Vous avez l'air heureux, ça fait plaisir. Il y a juste un truc, elle est aveugle. Ah, pardon, je suis super maladroite. Et un petit peu aveugle aussi, non? Bon, allez, on va se bourrer la gueule pour fêter ça. Allez. Merde, les flics, putain! Balance le joint! C'est la croix et la bannière. La croix et la bannière, c'est interdit, c'est pas possible. Même François Fillon, il dit plus ça. Ça s'appelle Dépression et des potes. Ça sort en salle le 2 mai, c'est avec Fred Testo et Jonathan Lambert. Et c'est la fête. Fred, avec le marsupilami et ce film, est-ce qu'on peut considérer que l'année 2012 sera celle de Fred Testo ou ne sera pas? On peut le considérer, hein. Vous devenez un acteur, je veux dire. Et il est devenu un acteur. C'est une personne que moi, j'apprécie au quotidien. Il a su rester simple. On parle de Fred Testo, là. Oui, on parle de Fred Testo, évidemment. Oui, bien sûr, oui. Et là, ce petit plus que, voilà, qui fait qu'on a envie d'aller le voir, de le revoir. Même souvent, des gens disent, j'ai vu des interviews sur des blogs, on est allé le revoir parce qu'il a quelque chose de Tennessee. Il a vraiment... Il a ce truc-là. Est-ce qu'Omar est jaloux quand tu joues avec d'autres comédiens? Non, on est ouvert pour les parties à plusieurs, il n'y a pas de problème. Non, mais franchement, c'est un couple qui... Non, mais c'est vrai, du moment que le soir on rentre à la maison, moi, Omar ne me dit rien. Tout va bien. Omar, quel rôle, vous définissez comment les rôles à la maison? Il fait plus la bouffe, toi le repassage? Moi, je suis plus dans tout ce qui est lave-vaisselle, en fait, sur un produit lave-vaisselle. D'accord. Voilà. Alors qu'Omar, c'est plus la cuisine? C'est la cuisine, oui. La popote. Tout ce qui est poulet, yassa, etc. Ma fée, évidemment. Évidemment. Jonathan, toi, tu as un beau début de carrière au cinéma, mais est-ce que tes personnages chez Ruquier te manquent? J'ai passé 4 années extraordinaires. Sincèrement, 4 années extraordinaires parce que j'avais une liberté totale, ce qui est très rare aujourd'hui en télé, qui pesait sur une chaîne importante comme celle-là. Et Catherine Barma, que tu connais... Qui produit cette émission. Le dragon qui nous regarde. Elle est juste là, elle est toujours... Avec le marsupilami. Et Laurent m'ont donné une très grande liberté, une très grande confiance. Et voilà, je sais que c'est un luxe qui est très rare aujourd'hui en télé. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis éclaté. C'est quoi le personnage? Oui, ce que j'allais dire. Le personnage... C'est pas spécialement drôle. Non, mais quand même, on salue l'artiste. Voilà, c'est avant tout. Le personnage le plus chelou que tu aies fait chez Laurent? Oh, j'étais quand même... Putain. Lui était pas mal. J'étais quand même heureux de faire Damien Béziers. Ça, c'est une photo d'identité qu'on a reprise sur ton passeport. Oui. Hein, pas du tout...
Il n'y a aucun déguisement, il faut préciser au public. J'aimerais mettre ça. Non, c'est sûr que Damien Baizet a été quand même un grand rendez-vous. J'étais avec... là. Oui, tu j'étais invité là, ce soir-là. Absolument. Et tu as foncé sur Laurie Tillman qui est tombée par terre. Absolument. Ouais. Et c'est vrai que c'était un grand moment parce que c'est un personnage que j'avais créé à Comédie et qu'on imaginait quand même assez confidentiel. Et le fait de lui offrir cette tribune-là sur France 2 devant Miss France, c'était l'aboutissement de... On va parler un petit peu d'Arnaud Lemort, qui est le co-auteur de tes sketchs sur scène et à la télévision, et qui réalise ce film, donc. Qui réalise ce film, qui, avec qui j'avais bossé aussi à la radio, on s'était connus il y a plus de 10 ans. J'avais joué dans son premier film qu'il avait co-réalisé avec Dominique Farrugia. L'amour c'est mieux à deux. L'amour c'est mieux à deux. Et donc c'est évident que... Pic, 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 pic. Quand il m'a proposé de jouer dans ce film, enfin, il m'a proposé avant même que le film soit écrit, il m'a dit, voilà, je pense à toi pour un des personnages, et donc c'était... C'était même... j'aurais été vexé de ne pas avoir un rôle dans ce film. Ah, Et Fred, toi, tu joues le rôle de Franck, qui a tout pour être heureux. Ouais. Bonsoir, vous allez bien? Et vous? Très bien. Franck, alors bon, c'est un mec qui a tout pour être heureux. Une jolie petite copine brésilienne. Voilà. Un boulot plutôt intéressant. Voilà, il peut se payer des vacances au bout du monde. À l'île Maurice. Voilà, mais ça va pas bien. Et non, quand il rentre en France, il va chez le médecin et lui dit, mon pote, t'as une dépression. Voilà, et du coup, bah, il perd sa nana, tout va mal, et puis il va voir ses potes, et puis il leur dit, il leur annonce, parce que c'est un peu quelqu'un un petit peu d'égoïste, hein, oui. D'un coup, qui les a pas appelés depuis 6 mois, mais là, il est très content de retrouver ses potes, comme par hasard. Ouais. Et en fait, voilà, ils vont essayer de l'aider, et lui en premier, et finalement, ils vont se... C'est-à-dire qu'en révélant sa dépression, il va révéler notre propre dépression à chacun. Voilà. Ça va être le... Tout le monde est en dépression, en fait. Vous avez pensé à des trucs très déprimants pour rentrer dans la peau de vos personnages? Personnellement, j'ai pensé à King Kong. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas de considération pour les gens qui... Pour autrui? Bah, ne serait-ce que les gens qui nettoient les rues. Parce que lui, il vient avec ses grosses pattes. Donc venir avec ses grosses pattes, foutre la merde. Tout ça. Oui. Oui. Pour porter une blonde dans sa grosse main. Sa grosse main sale, parce que ce sont des gens, les King Kong, qui ne se lavent pas les mains. C'est quand même, on est, le King Kong est quand même l'animal le plus crade qui existe. C'est le crados. C'est le crado. Alors, je voulais juste rappeler peut-être aux gens qui ne le savent pas que les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Le Roi Merlin. Ça, c'est important. Voilà. Obligé ça, par, on l'oublie trop souvent. Voilà, je préfère en parler parce que... Et voilà, hein. Ça, on l'oublie trop souvent. Ça permet de payer les déplacements en bagnole. Là, en ce moment, on a signé un petit contrat avec lui. On n'en parlera pas plus. Voilà, hein, on n'est pas là-haut. Vous savez qu'on lit beaucoup de choses fausses dans la presse. Ah, voilà. Et oui, et tout de suite, je crois que c'est le moment de jouer au mytho ou pas mytho. Ah, très bien. Un Britannique a eu une très mauvaise surprise en s'apercevant que la vitre de sa voiture avait été brisée par des policiers qui voulaient sauver la vie d'un chien en peluche. Pas mytho. Pas mytho pour toi? Parce qu'ils ont cru que le chien était un vrai chien, ils se sont rendus compte, c'est là où c'est tordu, c'est qu'après, ils ont expliqué qu'en fait on a cru que... Il y avait un stratagème. Alors qu'ils auraient appelé King Kong, c'était plus simple pour faire. C'était beaucoup plus simple. Alors vous dites mytho tous les deux? Mytho tous les deux. Ou pas mytho? C'est une vraie info? Je bloque ses paroles. C'est une vraie info. Vous bloquez... Je bloque ses paroles. Ah. Eh ben c'est pas mytho. Bien joué Jonathan, pas mytho. Allez, 2 points. Là, on va repartir, n'empêche, mine de rien, on va repartir avec... Qu'est-ce qu'il y a à gagner du reste? Absolument rien. D'accord. Okay. Voilà. Pas un micro-ondes On peut vous faire gagner un micro-ondes. C'est vraiment... Tu as besoin d'un micro-ondes chez toi en ce moment? Bah toujours, on a toujours besoin d'un micro-ondes. D'accord. Moi, je repartirais bien avec un immeuble, là. C'est pas mal, là. Vous savez quoi? Si vous répondez bien aux prochaines questions, je vous laisse repartir avec un immeuble. L'immeuble de notre choix? Celui que vous voulez. D'accord, carrément. Ça marche? Et est-ce qu'il y a des quartiers qui sont mieux que d'autres, là, dans le... J'essaie de voir, est-ce là, que tu vois, parce que là, ça m'a l'air mal fréquenté, alors que là, ça a l'air un peu plus... Là, du côté de Marcadet-Poissonnier, c'est tranquille, là-bas. C'est pas mal. Ouais. On pourrait se prendre un petit truc, là. Regarde, celui-là avec terrasse, là. Ah oui, dis donc, là-haut. C'est bien. Coucou, ça va? Hey! Ah ben, à chaque fois que je regarde cette émission, je me dis, tous les gens qui sont là, c'est bizarre parce que... On ne voit jamais de volets fermés. Non, ils sont là, ils sont tous sur le net. Parce qu'ils regardent l'émission. Mais on ne les gêne pas, là. Non, ça va. Le bruit, il n'y a jamais eu de... Il y a eu 2-3 plaintes. Est-ce que, pardon, mais est-ce que je sais pas... Je vous en prie, Jonathan. Est-ce qu'il n'y a pas dans une salle... De... Voilà, parce que... T'es sûr que ça... J'en étais sûr. Il y a une nana qui prend sa douche. Ah, je te jure, elle est... Regarde, là. Là, c'est génial. Venez tous. Venez, mais oui, venez. Ah oui. Bonsoir madame. Comment ça va? C'est la télévision. Alors, on se lave? Alors ma coquine, dis donc. On est bien fournis là-dedans.
Hein c'est, bon, c'est, on vous laisse, pardon. C'est vrai, on pourrait faire King Kong. Oui, dis donc. Super. Attention. Attention, je vous allez retrouver dans le film Dépression et des potes, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui. On continue les prochaines questions, vous répondez bien, vous repartez avec un immeuble et la meuf qui prend sa douche. Très bien. Ah. Voilà, je précise. Alors, Kevin Merston, un jeune Australien, a échappé à une attaque de requin en l'attaquant lui-même. Il s'est jeté dessus et l'a mordu violemment à plusieurs reprises. Bah, et c'est là encore où c'est mal. C'est tordu. Ouais, c'est que, je vous l'accorde. C'était un humain qui s'était déguisé en requin. Et c'était ma mère, d'ailleurs, je m'en souviens. Donc, c'est pas mytho. C'est pas mytho ? Pas mytho, je confirme, je bloque ses paroles, Nagui. C'est mytho, désolé, mec. Bah oui. Je suis. Bah oui, mais alors. Je suis confus. Eh, alors, très bien. Non, mais est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites ? Voilà. Les images qui ce n'est pas la preuve directe de ce que j'avance, mais c'est ce qu'on lit dans la presse, voilà. Bah, la presse, déjà, c'est quelle presse Des chercheurs ont découvert qu'après avoir fait écouter 24 heures sur 24 du Ricky Martin à des souris, au bout d'un mois, elles commençaient à avoir des comportements homosexuels. C'est possible. On a envie de dire oui. Pour, on a envie de dire oui. C'est, mais bon, c'est, je crois que c'est mytho. Vous croyez que c'est mytho? Je crois que c'est mytho. Ouais, c'est mytho, bien joué. Oui. Bien, quand même. Bon. Dernière question, hein. Petite dernière question. On repart avec une cabane, hein, cette fois-ci. Concentrez-vous. Des chercheurs marseillais ont appris à lire à des singes alors qu'ils ne savent pas parler. Le meilleur d'entre eux, en orthographe, peut distinguer jusqu'à 308 mots différents. Bah, comme c'est pas drôle, je te tentais de dire c'est. Pas mytho. Pas mytho. Eh ben, c'est mytho. Mais c'est pas drôle. C'est vrai? Non, c'est marrant. Non, mais ça paraît. Donc les singes sont encore plus cons que ça. Et c'est encore plus con. Ils n'arrivent pas. Ce qui nous revient à sujet King Kong, une fois de plus. Ça, les bêtes. J'ai l'impression que King Kong, c'est un sujet récurrent qui revient. Peut-être des cauchemars, Fred? Non, mais des rencontres qui se sont mal passées, oui. Bien sûr. Fred, en lisant ta biographie, on. Vous savez pas que j'avais une biographie. Pic, pic, pic. Alors allons-y. Les envies prennent vie. Du côté de chez vous. Alors, n'oubliez pas mangerbouger.fr, c'est important. Voilà. Alors, écoute, j'ai essayé d'apprendre qui tu étais. Est-ce qu'il y a une question d'abord? Alors, je vais te le dire. Selon tes humeurs, tu dis que tu es né le 20 février 74 en République dominicaine. À Punta Cana. Ou bien le 20 février 77 à Baden-Baden en Allemagne. Ou à Colombes en région parisienne le 20 février 78. Ou à Porto Vecchio en Corse. Ou même à Boulogne-Billancourt. La question, c'est, t'es né où en vrai? La réponse est là-dedans. La réponse est en 1977. D'accord. Dans un endroit où on peut aller par bateau aussi. Baden-Baden. C'est possible, je ne connais pas ma géographie. Voilà. Jonathan, toi, j'ai lu que tu avais fait le marathon de New York et que tu rêvais de faire celui de Berlin. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, juste avant la réponse de Jonathan, je dois vous rappeler que Andros, ça, c'est fort de fruits. Jonathan... Je vais demander de répondre, hein. C'est important. J'ai fait le marathon de New York, et oui, et donc c'était et quoi la réponse? Et ben, si je dois faire celui de Berlin? Exactement, c'est ce que j'ai lu, je savais pas si c'était une connerie. Non, c'est vrai. L'as couru en combien de temps, le marathon de New York? 4h10. D'accord. Alors explique-nous, c'est quoi ce challenge? J'ai croisé, je me souviens avoir croisé, enfin je l'ai croisé, il m'a croisé parce qu'il m'a dépassé. Oui. Comment il s'appelle? Jenson Button en Formule 1. Claude M.C. Solar. Ah, il était là-bas aussi. La gazelle. Il est passé devant moi, il m'a battu. D'accord. Ouais. Et alors t'es arrivé... Pas drôle donc, pas mytho. T'es arrivé combienième, j'ai envie de dire? Et en combien de temps tu l'as couru? Je crois que... Non, ma grande fierté, c'est que je suis dans le New York Times. Parce que tous les participants du marathon de New York, le lendemain, il y a un supplément marathon de New York et tout le nom des participants avec leur temps est indiqué. Donc, Jonathan Lambert. Donc Jonathan Lambert a été un jour cité dans le New York Times. Bravo. Bravo. Vous êtes sportif, Fred? Bien sûr, oui. Cardio, musculation, je veux dire... Football, tir à l'arc. Les deux en même temps. Plongée au couteau. Oui. Coquille Saint-Jacques. Plongée pour la coquille Saint-Jacques. Parachutisme, chute libre. Escrime. Escrime. Escrime sans le masque. Balle aux prisonniers. Au niveau olympique. Alors tous les trois, on va inaugurer une nouvelle rubrique. Ce sont les questions à handicap. Et donc, naturellement, ça s'appelle l'interview intouchable. Ah ben voilà.
Alors, je vais vous poser des questions sur votre vie personnelle. Et pour répondre, vous aurez un handicap que l'on va tirer en sort tous ensemble, d'accord? Racontez-moi votre toute première fois. Moi? Oh là là. Avec l'accent québécois pour Fred et l'accent belge pour Jonathan Lambert, s'il vous plaît. Moi, c'était avec Jeanne Masse. Ah oui, vous devez répondre avec... avec des accents, pardon. Ah, oui, Avec l'accent québécois, Fred, pour commencer. Mais je ne sais pas le faire, l'accent québécois, alors c'est pour ça. L'accent corse, avec l'accent corse. Avec l'accent corse, voilà, alors... Bon, la première fois, déjà, je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est personnel, je ne suis pas là pour raconter ma vie, espèce de cloche. Très bien. Jonathan, avec l'accent belge, éventuellement. La première fois, je me souviens que c'était une fée, parce que j'aime beaucoup, c'était une fée asiatique. Ça, c'est pas drôle, c'est vrai. Et... Tu utilisais des baguettes Non. Pour lui, pour la pensée. Je sais pas. Et ça s'est très bien passé. On continue ce questionnaire. Racontez-moi votre plus gros bide. Ah, ben moi, c'était... Il y a le handicap, hein, tout d'abord. En chantant, s'il vous plaît. Mon plus gros bide, c'était il y a quelques mois. J'avais arrêté de fumer et j'ai atteint un bide de 95 kilos. Et croyez-moi, ça tire la peau. Heureusement, je l'ai perdu. Quel crooner, il est extraordinaire. Alors moi, c'est... Frank Sinatra, Las Vegas. J'ai fait un bide sur l'émission de Laurent Ruquier. Un bide très difficile face à un personnage important qui était chanteur anglais. Qui était-il, pic, pic, pic? Est-ce que ça te vient à l'esprit? Est-ce que toi-même vois-tu de qui je veux parler? Une immense star interplanétaire avec des cheveux frisés, un nez de cochon un peu rosé, mais toujours aussi important dans la mode actuelle, car il a chanté What's New Pussycat. Moi-même, j'ai oublié son nom. Comment s'appelait-il déjà? Je cherche, mais comme on peut chanter, on peut gagner du temps. Il me semble que c'est Tom Jones. Tom Jones, absolument. Effectivement, maintenant, la raison du bide me revient à l'esprit, car j'avais parlé d'un personnage qui devait s'orienter dans la ville avec un Tom Jones. Pourtant c'est génial. Je me rends compte que la vanne est bonne en chanson, mais très mauvaise quand elle est parlée. Et ça avait été un bide et j'avais pleuré. Bravo. Quelle voix de velours. Il y a du miel dans sa voix. Il y a du miel, alors là vraiment on est dans Otis Redding. Moi j'ai entendu Otis Redding. Maintenant vous allez me dire ce que vous détestez chez vous et pourquoi. En imitant Jacques Chirac. Ça va être bien, ça. Bonjour. Pas mal, hein? Bonjour. Ah bah, c'est le Chirac d'aujourd'hui, Alzheimer. Hein, il ne se souvient pas de ce qu'il raconte. C'est très bien. Merci. Bravo. Merci. Merci de m'avoir sorti le... Merci. Cette fausse. Maintenant, vous allez me dire ce que vous détestez vraiment dans le showbiz. En langue étrangère, s'il vous plaît. Peut-être vous rappeler avant que à fond la forme avec Décathlon, évidemment. C'est important quand même de le préciser. Pour cette question. Voilà, pour ajouter. Qu'est-ce que... Après, bon, si c'est d'aussi, j'y vais aussi. C'est pas non plus une... Alors, le showbiz... Alors, peut-être rappeler, c'est quoi le showbiz? Parce que... Mais dans une langue étrangère, évidemment. Lo que me paraissait muy difficile en esta pregunta. Sí, a mí me gusta tocar la guitarra, pero... ¿Dónde está? Hay muchas cosas que... Sí. Después. Tú mal y ancum la haq. A mí me gusta tocar la guitarra, ¿no? Sí. Me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. ¡Ay, ay, 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 mi corazón! Traducción, Jonathan, ¿de ce qu'il vient de dire? Mon cœur.
en toute sobriété. Mon cœur te dit je t'aime, mais tu ne l'aimes pas. Mon cœur me fait la fête. Pour qui? Attention, pic-pic géant. Pic-pic-pic-pic-pic. On conclut avec la dernière question. Dites-moi le cadeau le plus pourri qu'on vous ait offert. En parlant à 1 cm du visage de votre voisin. Dans une langue étrangère? Vous faites ce que vous voulez, c'est freestyle. Et puis le cadeau que m'est fait, c'est un cendrier en coquille Saint-Jacques. Ou bien un collier de coquillettes. Le pire cadeau qu'on m'ait fait, c'est une paire de bas, alors que je porte des collants. Le pire cadeau qu'on m'ait fait, c'est m'offrir un maillot de bas, une pièce, alors que je porte des deux pièces régulièrement. Encore un? Le pire cadeau qu'on m'ait fait, c'est un studio, alors que je préfère les deux pièces. On va de Fratesto et Jonathan Lambert. Juste avant de vous quitter, oui, merci évidemment d'être venu. J'ai passé un excellent moment avec vous, je tiens à le préciser. Merci, monsieur. Vraiment. Dépression et des potes, ça sort le 2 mai. J'ai vu le film et c'est vraiment très drôle. Ils ont énormément de talent, ils l'ont prouvé ce soir. On l'applaudit encore très fort, mes invités. Jonathan Lambert et Fred.